Salut à tous, c'est Neosia. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur GTA V. Donc aujourd'hui ça sera pas un glitch tout ça, en une petite vidéo de 3 minutes. On va faire vraiment une bonne vidéo tous ensemble et je vais vous montrer aujourd'hui comment modder GTA V le solo. Et vous allez voir que ça va nous servir pour le online, tout ça, ça va être vraiment cool. Donc je vais vous montrer vraiment de tout de A à Z, hein, sans montage, sans coupure, ni rien du tout. Et après cette vidéo, vous serez tous modés GTA V avec le God Mode, tout ça. Bien sûr, sans risque de ban et aussi sans jailbreak ou craquer sa console, rien du tout. C'est vraiment simple d'utilisation, il faut juste connaître les petits trucs techniques. Donc pour commencer, hein, faites comme moi, hein, j'ai loupé aucune étape. Donc pour commencer, il faut aller en solo. Donc sur GTA V solo, hein, on va aller au garage de Vinwood qui est pas très loin, donc vous voyez tout de suite. Donc je rate aucune étape si je fais ça, vous allez voir que par la suite ça va servir de mettre un véhicule. On va stocker un véhicule, attendez, est-ce que je sais pas rouler. On va stocker un véhicule dans le garage de Vinwood de Michael. Donc on va y aller tout de suite, attendez je baisse le son. Donc on va faire ça tranquillement, si la vidéo dure un petit 10 minutes, c'est pas grave. Au moins après, vous allez bien savoir comment modder tout ça avec le logiciel GTA 5 Hazard Save Editor. Voilà, exactement. J'avais perdu le mot. Le mot. Alors, le garage doit pas être très loin, j'ai pas mis de point. Mais bon, je connais, normalement je connais. Voilà, il est là-bas. Donc je vais vous apprendre comment modder de A à Z, modder GTA 5 solo. Et je vais vous dire aussi dans cette vidéo comment les importer, les véhicules qu'on mode, qui vont arriver donc en solo, pour les modder directement. Donc qui vont arriver en solo et les avoir directement en online. Donc c'est pour ça que ça sert toujours et c'est vraiment cool. Donc là on prend un véhicule, on le met tout simplement dans le garage de Vinwood qui est tout en haut de la ville. Ah, vers la droite, je vous ai pas montré d'ailleurs, je suis bête. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je dois ressortir. Je vais vous montrer. Donc, dès que vous avez mis le véhicule, vous pouvez ressortir tout simplement. Donc, faites comme moi. Hein. Si je fais ça, c'est par la suite. Vous allez voir que ça va servir de mettre un véhicule. C'est pas pour rien, c'est pas pour faire chier. Donc, le garage de Vinwood il se trouve exactement ici. Voilà, ici. En solo, hein, là on est en solo. Donc dès que vous avez fait ça, vous faites une sauvegarde. Vous écrasez l'ancienne, vous en faites une autre, hein, comme vous voulez. Moi je vais écraser. Hein. Donc attendez, ce que là, non. Alors sauvegarde rapide, c'est pareil. Donc là moi je prends celle l'ancienne et j'écrase. Voilà. Donc dès que vous avez mis la voiture, vous avez fait la sauvegarde et ben on se retrouve tout de suite. À l'interface Xbox. Par contre pour les joueurs PS3, à ce moment là c'est à vous de vous débrouiller. Je suis vraiment désolé mais j'ai pas de je peux pas vous le faire sur PS3 pour l'instant, hein. Je peux pas inventer des trucs, mais c'est pas compliqué. Vous avez dans votre système stockage, ensuite vous devez mettre une clé USB sur votre console. Alors attendez, je vais la brancher, hein. Je l'avais même pas branché, c'est pour ça que je fais tout avec vous. Donc voilà, je la branche. Donc là elle va arriver, voilà ça charge. Donc ma carte mémoire est ici, ma clé USB. Donc attendez, parce que j'avais mis une save, donc je vais la supprimer. Voilà, c'est supprimé. Donc maintenant on va aller dans le disque dur et on va prendre notre sauvegarde avec le véhicule dans le garage, tout ça. Donc GTA 5, voilà. On va tout en bas, la sauvegarde elle est ici, on fait copier carte mémoire. Donc moi ma carte mémoire est déjà prête pour ma console. Après sur Xbox ça demande vérification, faut la formater, tout ça c'est pas compliqué, vous faites oh, vous suivez ce qu'ils disent. Bref, donc là on a fini, donc on se retrouve tout de suite sur ordinateur. Allez, à tout de suite. Donc on se retrouve maintenant sur mon ordinateur. Donc j'espère que j'ai pas été trop long. Non, je rigole, il y avait la coupure. Donc alors pour commencer, on va lancer le logiciel. Donc bien sûr, je vous l'ai mis en téléchargement dans la description. Donc vous connaissez tous, hein, c'est le fameux logiciel très connu pour les joueurs de GTA 5. GTA 5 éditeur Save Hazard, voilà c'est ça. J'étais j'avais bon, hein, c'était exactement ça.
Donc, vous devez brancher votre clé USB à votre ordinateur maintenant. Tout se passe sur PC. Donc, vous la branchez. Ensuite, vous faites Open Device. Voilà, ça cherche. Ensuite, Open, Open, Open. Donc là, ça vous demande si vous voulez un backup. En fait, si vous voulez, c'est un retour arrière. En gros, c'est une save de votre sauvegarde actuellement, maintenant. En gros, je sais pas si vous me comprenez vraiment, mais genre si vous avez peur de détruire votre sauvegarde ou quoi, vous pouvez faire oui, et ça va vous créer un dossier avec votre save des copies, tout ça, hein, pour qu'elle marche toujours. Bref, moi je mets non, parce qu'il n'y a pas vraiment de risque, hein. Alors, je vais vous dire tous les détails pour ce logiciel, pour modder GTA V, les inconvénients, tout ça, et vous allez voir que c'est vraiment une tuerie. Ce logiciel, il est vraiment bien. Alors pour commencer dans caractère, donc c'est les personnages du solo. Donc là on a Michael, Franklin, Trevor, les trois personnages, hein, banal. Donc on va faire sur Michael, hein, les trois c'est pareil, mais bon, je vais faire sur Michael. Alors ici c'est l'argent, donc moi j'ai ça comme argent, hein, c'est ma sauvegarde qui est chargée. Donc moi j'ai tout ça en solo. Si vous avez plus beaucoup d'argent, vous pouvez mettre max. Donc voilà, ça a rajouté le max, hein. Ça n'a pas rajouté beaucoup, c'est parce que moi je suis déjà au max. Alors ça, on s'en fout, c'est de la merde. Ça, c'est les compétences, hein, mais moi je suis au max partout. Donc les compétences, voilà, shooting, vous pouvez mettre au max. Voilà, au max, au max. Flying, au max, voilà. Flying, c'est pour voler ou sauter, je sais plus trop. Donc... Alors, ici, là, vous pouvez voir, on voit vraiment mal. En fait, je sais pas pourquoi, moi, ça me met pas. Normalement, c'est une tête de mort. Et vous pouvez cliquer sur le côté en noir. Et c'est le God Mode. Donc, vous pouvez l'activer. Le God Mode, si vous connaissez pas, c'est pour être invincible. Donc, c'est pour être invincible à tous les dégâts qu'on. Bon, on subit rien, on est invulnérable. Donc, moi, je l'ai activé. Là, il y a écrit God Mode One. Ou On, plutôt On, hein, One. On. Donc là, ça, on s'en fout. Donc ça, c'est les armes. Voilà, c'est banal. Ici, donc là, c'est la santé. Faut cliquer. Donc là, c'est l'armure. Ça, je sais pas c'est quoi le jaune. Par contre, la santé, l'armure, le jaune. Je crois que c'est quand on nage. Voilà, je crois que ça doit être ça. Quand on nage, la respiration. Donc là, ça, on s'en fout. Et ce que je passe, c'est vraiment des trucs bidons, hein, qu'on s'en tape. Donc là, c'est les armes qu'on a sur notre personnage. Donc là, vous pouvez mettre max, et ça met le max de munitions, ammo, c'est munitions. Donc là, c'est pour la calache. Bon, ça, j'étais à fond. Ça, je suis pas à fond. Vous pouvez mettre max, après, c'est à vous de jouer avec le logiciel, hein, vous faites ce que vous voulez. Après, là, vous pouvez mettre les teintures. Et là, vous pouvez cliquer, voilà, ça met... Les accessoires sur l'arme. Donc ça, ouais, bon, ça on part loin là. On s'en fout. Donc state, donc là c'est les kills. Vous pouvez modifier, hein, les kills, vous pouvez mettre autant que vous voulez. Vous pouvez, en gros, c'est les stats, hein, comme sur les Call of, le ratio, tout ça. Bah là sur GTA, et vous pouvez modifier. Bon, après voilà, c'est pas compliqué, vous changez ce que vous voulez, hein. Donc là, le plus intéressant, vous allez voir, c'est vous allez dans garage. Et ça, c'est vraiment la chose la plus intéressante de ce logiciel, hein. Même pour le mode online de GTA V, je vais vous dire maintenant. Alors, normalement, j'ai un véhicule. Voilà pourquoi on a mis un véhicule dans le garage. Ça, c'est le véhicule que j'avais mis dans le garage juste avant le garage d'Evinwood. Et en gros, dans cette partie-là, en gros, vous pouvez modder. Faut que je trouve des mots appropriés, mais vous pouvez modder n'importe quel véhicule et les avoir après directement dans le garage d'Evinwood. Donc après, bien sûr, je vais vous dire comment dans une autre vidéo, hein, je vous mettrai le lien. Comment avoir, comment dire, je perds mes mots. Comment envoyer un véhicule du solo online. Voilà, je trouve mes mots. Je suis désolé, hein, je perds un peu mes mots. Donc ça, je vous mettrai une autre vidéo. C'est vraiment simple. Donc là, pour l'instant, on est toujours sur le mode solo. Donc là, vous pouvez complètement. Là, vous avez, en gros, là, vous mettez Vinwood. Ensuite, il faut le véhicule que vous avez mis, hein, au début. Donc là, moi, c'est le felon. Et ensuite, ici, c'est tous les véhicules qu'on peut mettre dans le garage. En gros, on va le remplacer par l'ancien. Donc là, c'est la header. Donc on a vraiment tous les véhicules. Donc voilà. Donc la header. Donc là, vous pouvez changer la couleur. Ça, c'est la couleur primaire.
Ça, c'est la deuxième la couleur secondaire, elle est ici. Voilà, après, faut jouer, vous voyez, il y a vraiment plein de trucs. L'armure. Donc là, vous mettez à 100, race, level 4. Donc là, c'est les klaxons. Voilà. Donc ce qui est vraiment bien, c'est qu'on peut avoir des véhicules gratuits. C'est-à-dire qu'avec ce logiciel, on mode un véhicule. Donc là, à 2, on la met au maximum, on met la couleur qu'on veut. Ici, c'est les pneus, tout ça. On peut même mettre le nitro. Donc vous mettez tout au max et en gros après vous l'envoyez du solo online. Donc ça je vais vous mettre un lien comme j'ai dit juste avant pour l'envoyer. Et après vous le mettez dans votre garage. Donc en gros vous aurez le véhicule gratuitement. Et ce qui est vraiment top c'est qu'il y a des véhicules qu'on peut modder avec ce logiciel que normalement on ne peut pas modder. Par exemple là c'est un... Vous pouvez même envoyer des avions, comme ça vous pouvez l'envoyer, vous pouvez l'avoir en solo dans le garage. Par contre, l'envoyer après en online, vous pouvez, mais vous ne pourrez pas le mettre dans votre garage. Faut trouver encore un autre glitch, ça je vais voir si je peux en trouver un. C'est assez spécial. Vous pouvez même envoyer des avions, tout ça, les modder, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. C'est vraiment un très bon logiciel. Et comme voilà la moto. Non, pas celle-là. Faut que je trouve la... Si je trouve vite fait sans perdre de temps, la motocross. La motocross. Bon. Apparemment, je... Voilà, ça c'est l'avion. L'avion de chasse. Bon, c'est pas grave. Bref. Donc là, voilà. C'est un logiciel. Hein, vous modez votre véhicule que vous souhaitez. Là, il y a un hélicoptère. Bon, après, prenez pas un très gros véhicule parce qu'il va exploser quand il va arriver dans le garage de Vinwood. J'ai déjà essayé avec l'avion de chasse et ça l'explose directement. Donc ça sert à rien du tout. Mais voilà, comme un vélo normalement on ne peut pas le custom. Hein, vous savez, on peut pas le custom. Et bien avec ce logiciel, vous voyez, on peut mettre la couleur qu'on veut. On peut mettre tout ce qu'on veut, on peut même mettre du nitro dessus. Par contre, ça, j'ai pas essayé si ça marchait. Mais c'est à essayer, en tout cas, les couleurs, ça, on peut. Après, vous aurez le... Vous pouvez mettre des jantes personnalisées, ça marche aussi. Et c'est vraiment cool, franchement, c'est vraiment une tuerie, ce logiciel. Donc là, je vais pas vous montrer un véhicule que j'ai custom, que je l'ai envoyé. Parce que ça prendrait vraiment trop de temps. Donc je vous explique vite fait, là, j'ai fini avec ce logiciel. En gros, après, vous mettez la clé... Bon là je vais vous montrer, donc là dès que vous avez fini tout ça vous faites save file. Voilà. Donc dès que vous avez fait ça, vous enlevez la clé USB, vous la mettez sur la Xbox ou la PS3. Et en gros vous allez dans votre clé USB sur la console, vous faites la sauvegarde hein, que vous avez mise sur votre clé USB. Vous la déplacez vers votre Xbox, ça va la remettre normalement comme avant. En gros après vous pouvez aller sur votre jeu et si vous avez mis le God Mode, tout ça, tout ce que vous avez ajouté. Et ben ça va être ajouté à votre jeu directement. Bien sûr, il faut charger la bonne sauvegarde hein, que vous avez modée. Et après, vous aurez tout. Et le véhicule que vous avez modé, vous allez le retrouver directement dans votre garage de Vinwood. Et maintenant, la grande étape pour les grands joueurs du online. Encore une fois, je me répète, mais je vous mettrai un lien, une annotation maintenant pour envoyer un véhicule du solo online. Donc j'espère que ça vous aura plu, moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, allez ciao!